monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul action. J'ai abusé. J'ai acheté plein de choses et j'ai vidé le rayon des masques. J'ai pris plus d'une vingtaine de masques de ce genre. Vous savez, les masques en tissu pour les lèvres en hydrogel, pour le visage en tissu, pour les cernes dorées. J'ai pris trop de masques, j'ai pris plus de 20 masques. J'en ai pris 24 je crois. En tout, il y a même des masques pour les cheveux que j'ai pris. J'en ai pris que deux pour les cheveux. Et donc voilà, j'ai vraiment dévalisé le rayon masque. Mais j'ai aussi acheté d'autres trucs. Je vais acheter plein de choses, je vais vous montrer tout ça. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et bonjour à la famille Honey. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On passe à la vidéo, c'est parti, let's go. Je vous noterai les prix à l'écran. J'ai gardé le ticket de caisse pour faire ça. Je vais commencer par les masques du coup. J'ai toujours le nez bouché dans mes vidéos moi. Pourquoi j'ai toujours le nez bouché dans mes vidéos? On peut m'expliquer? Quelqu'un m'explique s'il vous plaît, quelqu'un. J'en ai marre. Donc, on va commencer par ces masques là, aux fruits. Il y en a un à l'avocat, parce que oui l'avocat est un fruit. La tomate aussi c'est un fruit. Je sais pas si vous savez ça, on a appris ça à l'école normalement. Et j'ai pris au melon, à la pastèque. J'en ai pris deux à la pastèque, c'est des masques en tissu. J'en ai pris deux à la pastèque et un à l'avocat. Les masques en hydrogel doré. Ils sont comme ça. J'aime trop ces masques, c'est mes masques préférés ceux-là. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 5 des masques comme ça. Après des masques en hydrogel pour les lèvres, comme ça. J'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 5. Non, j'en ai pris 6. J'en ai pris 6, j'en ai pris 3 dorés. 3 dorés et 3 roses. Ça va encore, j'ai été raisonnable, non? Je sais pas du tout, j'arrive pas à savoir. Après, j'ai pris deux masques en tissu pour le visage comme ça. J'ai bien aimé le packaging. In the mask, doctor. Face sheet mask et rétinol. C'est pour les... C'est un anti-rides celui-là. Peut-être que j'en aurai un à ma mère, on verra. Si elle en veut un. Et enfin, j'ai pris pour les cernes, pour le dessous des yeux, j'ai pris 7 masques. 7 paquets, il y en a deux, il y en a une paire dans chaque paquet. J'ai pris celui-là. Hydrogel Under Eye Mask. Et j'ai pris celui-là, Hydrogel Under Eye Mask. C'est les mêmes, sauf que c'est pas la même couleur. Je sais pas c'est quoi la différence. Ah, ceux-là, c'est des petits cœurs. Et ceux-là, c'est des petites feuilles. Des petits palmiers ou je sais pas c'est quoi. Regardez. Ok, et enfin pour les cheveux, j'ai pris ces masques-là. En fait, il y a un bonnet, comme un bonnet de bain, qui inclut dedans un bonnet avec des jolis motifs dessus, imprimés. J'ai lu, c'est pour ça que je sais ça. Et dedans, il y a le produit pour faire agir sur les cheveux, pour laisser poser sur les cheveux. Donc il y en a deux, j'en ai pris un à noix de coco et un à fleur blanche. Voilà, on continue avec le reste. Je me suis pris une jarre pour mettre soit mes baumes à lèvres, soit quelque chose de joli. Je suis en train de redécorer ma chambre en ce moment. J'ai tout réorganisé, rechangé de place et tout dans mes affaires. Et j'ai besoin de trouver quelque chose que je peux mettre là-dedans. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez que je peux mettre là-dedans. Quelque chose que j'enlève de son paquet de plastique et je le mets là-dedans, hein, par des petites billes ou... Je pensais au baume à lèvres moi, je pensais que j'aurais pu mettre tous mes baumes à lèvres dedans, ça va remplir la moitié je pense. J'en ai pas mal mais j'en ai pas tant que ça non plus. Et ça je l'enlève. Elle est trop belle cette jarre. Je sais pas quoi mettre dedans, je pense que je vais mettre mes baumes à lèvres dedans, je vais réfléchir, je vous tiendrai au courant. Après j'ai pris une bougie comme ça. Il y a écrit... Pony and Suede. Elle sent rien du tout. Elle est comme ça. Elle sent rien du tout, mais j'ai le nez bouché aussi. Mais je sens rien du tout. Après, j'ai pris cette bougie là, qui est assez difficile à ouvrir. Ambre and Rose. À la rose et à l'ambre. Je sens rien, je sens rien du tout. J'ai bien aimé le packaging de la bougie. Et l'autre bougie, la troisième bougie que j'ai prise, c'est celle-là. Celle-là, je sens une petite odeur. Elle est vraiment belle.
Je brûle beaucoup de bougies. Moi, quand je fais mes soins skincare, j'aime bien allumer des bougies autour de moi dans ma chambre. Je les utilise, hein. C'est pas juste pour la décoration. J'ai des bougies que j'allumerai jamais, comme celle-là. Mais j'ai des bougies comme celle-là que j'allume. J'ai pris des petites bougies comme ça. Parce que j'ai une petite... comment ça s'appelle? Je vais vous montrer. J'ai oublié le nom de ce genre de choses. Mais c'est un petit pot comme ça. Vous voyez que j'avais acheté à la Maison du Monde. Pour mettre des bougies. Et là, celle-là. Elle est finie. Donc j'ai acheté ça pour mettre là-dedans. C'est pas cher pour mettre dedans. Elle, j'allume souvent, j'allume très très souvent celle-là, celle qui est dedans. Voilà, je ferai plus tard. J'ai failli oublier les masques en pâte que j'ai pris, en crème. Donc j'ai pris un masque à la... Mais c'est quoi clay? Je comprends rien, moi. Je comprends que dalle. À l'eau de rose. À quelque chose et à l'eau de rose. Ça s'écrit en anglais, je comprends rien. Et derrière, c'est écrit tellement petit que je vois rien. Donc c'est un masque à laisser agir 10-20 minutes. À faire 2 ou 3 fois par semaine maximum. Et j'ai pris celui-là à la vitamine. Avec de la vitamine E, A et B5. Après, je me suis pris 2 petits beauty blenders. Ils sont mignons, je trouve. Ils sont jolis. Et après, c'est que de la nourriture. J'ai pris les Choco Wafers. Les Choco Wafers, c'est les meilleurs gâteaux de Milka. Les meilleurs gâteaux de Milka, c'est les wafers. Choco Wafers. J'ai pris un au chocolat au lait et un au chocolat blanc. Ces gâteaux, faut que vous les goûtiez si vous avez jamais goûté. C'est de la tuerie, c'est de la bombe, de la bombe, de la bombe. Et j'ai pris des boissons Choupa Choups. J'en ai déjà vu une dans le métro à la mangue. Et j'en ai pris 2 au raisin. Je sais pas si vous connaissez les boissons Choupa Choups, mais mes préférées c'est ceux au raisin et les autres à la rose, à la fraise. Ils sont trop bons, elles sont trop bonnes ces boissons Choupa Choups. C'est un peu gazeux, c'est bien gazeux. C'est peut-être moins gazeux que le coca, hein. C'est un peu gazeux. Et la fraise et crème fraise, j'aime trop. Et raisin, ceux-là. Mangue, j'ai pas trop aimé. Et orange, j'ai pas trop aimé. Franchement, si vous goûtez un, c'est soit fraise, soit raisin que vous devez prendre. Et voilà mes choix à la crème. Je vous ai montré tout ce que j'avais acheté à Primark. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté à Action. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, je vous fais plein de bisous. Bon, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Mettez un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!